comme annoncé, la République dominicaine, tout au moins les autorités dominicaines, en particulier le président dominicain, M. Luis Abinadel, décidé l'ouvrir. J'en ai évoqué ça dans l'information de Tabay, dans l'édition hier là, en prélude à l'ouverture frontière haïtiano-dominicaine, gagne un ensemble de mesures, gagne un ensemble de dispositions, si vous voulez, la République dominicaine te prend. Et là, nous sommes le 9 octobre 2023. Parmi mesures sérieuses, parmi dispositions sérieuses, Grégory Lubin, la République dominicaine décide qu'un bé frontière là fermé pour question migration. Ça veut dire, moun pap kapasi nan point frontalier yo encore pour aller en République dominicaine si c'est pas à des fins commerciales. Deuxième disposition, jusqu'à présent, gagné interdiction visa pour haïtiens et ceci pour une période indéfinie. Nous, par contre, si c'est pour une semaine, si c'est pour un mois, si c'est pour 3 mois, si c'est pour 1 an, indéfiniment. L'autre mesure, l'autre disposition, la République dominicaine prend encore, Grégory Lubin, yo mette embargo sur un ensemble de produits, sur un ensemble de matériel, sur un ensemble d'articles. Par exemple, yo mette embargo, guerrier de seul, sur matériel électronique. Yo mette embargo pour nous sur fer, sur ciment. Bon, c'est peut-être prévisible parce que quand pile ciment nous voit qui aller dans travail construction canal là qui pote Mac Fabri pour série d'entreprise en République Dominicaine. La même l'idée pour bataille ou bien pour protester souvent contre construction canal irrigation sous rivière massacre en partie haïtienne là. Yo capable prendre des dispositions pour empêcher que nous approvisionner nous en produit ça yo à savoir fer et ciment. Yo mettez embargo sur tout l'autre produit tout qui gen pour ak infrastructure Grégory Lubin. Et qui ça yo fait? Yo prend des dispositions la caillou pour capable réduire de manière considérable la main d'œuvre haïtienne. Ça veut dire qu'il ça en bon créole. Ça veut dire que bon ensemble de grandes entreprises, un ensemble de champs agricoles, un ensemble de gros planteurs, gros agriculteurs qui te gagne en pile haïtien qui travaille avec yo. Eh bien, yo prend des dispositions au niveau de la République dominicaine pour voir un bon parti dans haïtien ça yo aller, par exemple dans question machine agricole yo. Yo permettre que gagne cal joindre grand planteur, grand agriculteur. Donc travail 3 4 5 haïtien te ka faire. Yo font machine fel et gouvernement prend des dispositions pour distribuer par exemple. Nous avons gagné numéro 1 Fondation Zilea, M. Edwin Parizon, qui a réagi dans le micro journaliste ici. À côté, M. Tap expliqué que ensemble de dispositions, ensemble de mesures que la République dominicaine prend, ils viennent durcir, s'ouvrir ou bien viennent plus dur. Ça a gagné comme politique vis-à-vis d'Haïti. Et moi-même, moi partager cette position de M. Parizon, à savoir que avec action ça yo, avec mesure ça yo, avec disposition ça yo, la République dominicaine encore une fois montrer ou bien prouver règne gagner contre le peuple haïtien, contre Haïti. Yo prouver que cette histoire que nous ces deux peuples d'une même île nous condamner pour nous vivre ensemble là, c'est dans bouche c'est à l'oral. Mais pour eux-mêmes, nous pas en rien, si bien que ils fait tout ça au capable pour réduire à notre plus simple expression. Pour la République dominicaine, nous existons parce que tout simplement, ils ont des bagages, ils ont produit la caillou,
yo gagne des bagages dont la qualité reste laisse à désirer qui est voué ban nous donc comme faut que écouler maintenant qui s'en sert y a exploité nous y a exploité nous par rapport avec toute mesure ça yo par rapport avec toute disposition ça yo Grégory Lubin matin nous capable faire conclusion ça. La République dominicaine pas l'ouvrir frontière avec Haïti parce qu'effectivement yo conscient que nous c'est deux peuples sous même île et qu'une condamné pour vivre ensemble vrai. La République dominicaine pas l'ouvrir frontière avec nous parce que yo voulait mettre fin à conflit sous voulait qui opposait deux pays. La République dominicaine pas l'ouvrir frontière mais pas relouvrir frontière parce que y a cherchons solution pacifique à ça n'y là comme crise qui impliquait deux pays. La République dominicaine décidait que l'ouvrir frontière tout au moins Luis Abinadel retourner sous décision que il te prend à savoir fermer totalement frontière avec Haïti. Un parce que gagne dépression à l'interne qu'a fait sous Luis Abinadel et même là ouais dominicain yo a essayé unir comme un seul homme pour défendre intérêt pays yo mais yo conscient et ceci pas des moindres monde dans tout secteur en République dominicaine que ce soit dans secteur politique là que ce soit dans société civile dominicaine là yo conscient que fermeture frontière avec Haïti a pas faire l'affaire souveler de la République dominicaine genre en pile monde peut-être ultranationaliste pensez ça de pression à faire des dénonciations à faire des marchandises qu'a gaspillé des millions que la République dominicaine perdu pendant mois ça seulement donc on va gagner comme ça s'il était perdu. C'est certain que tu as gagné des conséquences relativement lourdes sur l'économie dominicaine. Si entendez tout économiste nous recevoir là yo sous question ça que le Edzier Emile que le Enomi Germain ou bien l'autre économiste nous parler à qui yo les a dit nous quantité l'argent qu'a rentré dans l'économie dominicaine nan, par jour avec commerce yo fait avec Haïti ya. Par mois et par année n'a conscient fermer frontière certes il a bien conséquences sur deux pays mais conséquences t'a beaucoup plus lourdes notamment sur le plan économique pour la République dominicaine donc sous base ça Luis Abinadel obligé ne serait-ce que contre lui retourner sous décision mais quand l'autre bagage important vidéo prend la rue ou ensemble de produits qui c'est des produits périssables qui est évalué à des millions de dollars ou bien des milliards de pesos. Je dis à la qui parti en fumée. Avait dit yo allez, yo gaspiller, yo pourri, yo jeter yo. Nous songer récemment agriculteur dominicain au fond marche souvlé, il a déposé un ensemble de œufs yo gagne qui pourri. Un pied en monument qui fait on va comme ça l'autre bois mais c'était pour protester tout à leur façon contre la fermeture de la frontière haïtienne dominicaine donc c'est pour vous dire que eux-mêmes comme dominicains ils t'a souffri par rapport à mesure Abinadel ou bien mesure Abinadel. Eh bien monsieur Damio au niveau de la République dominicaine il a annoncé réouverture frontière là depuis bien bonne dans matin mercredi 11 octobre là il était prêt toute disposition souvler Grégory Lubin pour réouvrir frontière c'est comme un grand événement et gagner plusieurs points frontaliers pour parler avec des confrères des monde qui sur place qui rapportent la République dominicaine il venir avec toute pression toute média caméra braquée, drone en l'air depuis bien bonheur dans matin, parce que dans tête pa yo,
pral gon pote bourré bon côté haïtien yo. Ti grand groupe pral avancer. Pral avancer pour montrer que c'est haïtien qui t'a tann. Frontière l'ouvri. Drone a circulé notamment sur la partie haïtienne. La presse qui est en braqué caméra. M'a bon menti. Pour yon même c'est un grand événement. Mais c'était bien compté, mal calculé. Au niveau de Wanamet notamment, moi je dis pour samedi notamment puis devant. Les toutes dispositions prend pour ouvrir frontière notamment grand barrière même si avant tu as gagné petit barrière ou tu as ouvert ça les corridors qui te permettent que il y a des monde qui étaient rentré ou bien monde déporté tout c'est là yo passé parce que même l'autre des frontières là t'est fermé haïtien t'est style après humiliation dans question déportation dans main dominicaine. Autrement dit, la République dominicaine était toujours à déporter haïtiens s'il vous plaît. Eh bien, là, on l'ouvrit. Barrière. Paroi au niveau de Wanamet. Eh bien, sans surprise. Je dis sans surprise pour nous autres haïtiens. Parce que nous te connaissons. Ça t'a privé ou bien ça t'est dans l'autre des choses possibles. Eh bien, barrière sur partie haïtienne, là, les fermées. Il y a eu ça. Li ferme pile chaîne pile gadna mi se gade pou job voie dominicaine va gade voilà yo mon cher yo juste constater puisque on est le son pont pour fin ouvrir barrière dominicaine ou faut marcher ou barrière haïtien après ça pour faire frontière li libre totalement mais tel n'a pas été le cas à Wanamet hier mercredi. Donc son honte pour la République dominicaine yo calotte marassa sinle pour Abinadel pour le gouvernement dominicain merci fat. Si bien que, bon monsieur le David Sosa, monsieur son parlementaire dominicain, monsieur c'est sénateur d'Arbon, monsieur déclaré que date 11 octobre là, l'a prêté tout noir dans l'histoire république dominicaine. Et monsieur avoué que il a perdu bataille. Carlotte Marassa. Donc, il y a un monde pas besoin de lunettes pour être dominicain. Yo. Pour Abinadel souvle avec sa passé Wanamet hier là prend calotte là mezi figil yon moun pa besoin lunette pour que Abinadel ront conchin. C'est certain depuis hier là et tu t'es venu ba monsieur là a réfléchi comment calotte je sais faire encore attendre les ouais. Mais nous autres si nous voulons aller plus loin, nous dit tout carrément que nous estimons que jusqu'à présent, hein, Abinadel perdu deux grandes batailles. Mais attention, hein, si nous d'accord que la République dominicaine est en guerre contre nous, ou bien Abinadel en guerre contre le peuple haïtien, eh bien, il perdu deux batailles, mais le peuple perdu guerre. Et à ce moment-là, j'appelle à la vigilance. Souvelé de la population haïtienne. Il faudra qu'on soit très prudent, Grégory Lubin. Oui, on a perdu deux batailles toujours. La première bataille. Abinadel, t'es posé. Arrêt travail, construction canal là. Comme condition sine qua non. Non seulement pour dialoguer avec Haïtien, mais pour retourner sous décision au don. Qui se ferme sur frontière là. Eh bien, il prend décision pour relouvrir frontière à canal là par exemple, non. Là par c'est très sérieusement là. Jusqu'à hier encore coup de tiwel là. Donc, ça son première bataille il perdu. Mais deuxième bataille Abinadel perdu guerrier du sel. Je ne dis pas le ya. Il pensait haïtien t'après le font poté mouré. Puisque nous gen kòb nan men nous di sien nan men n'a pas acheté nous di pour nous vivre c'est li pou bon manger produit première nécessité ou bien produit alimentaire c'est nan men yo nous pran yo donc yo pense que nous t'a souffri longtemps avec frontière là qui t'est fermé pendant presque un mois et que une fois que li relouvri nous t'a pral fond pour te bouer vip pip. Eh bien Abibi semblé mon chapitre li patli dans livre ça et que nous autres nous devons anticiper. Donc jusqu'à hier haïtien pas mettait point de pied. Nous ta capable dire Grégory Lebert
C'est comme une victoire du côté haïtien. Mais qui est-ce qui gagne mérite là? Est-ce que le capable dit c'est Mounoua Namet qui gagne mérite ça qui passé hier là? Est-ce que c'est l'État haïtien? Et que l'te yon ou l'autre, pour combien de temps encore n'a pas kembe avec mesure pour kembe frontière pas nous enfermer ou bien barrière pas nous enfermer même leur ouvri pas yoa? Est-ce que tous ces mêmes mobilisations, hein, en parlant de mobilisation, voilà maintenant, qui gagnaient sur les autres points frontaliers officiels, pas bien non, Gagong Lubé, Haïti, avec la République Dominicaine, gagne pratiquement plus de 90 points, yon partage ensemble, points frontaliers. Ça veut dire ça. Dans plus de 90 là, à peine si il y a 4 à 5 qui officiel côté l'État présent, douane présent, et là m'a parlé de l'État des deux pays. L'État dominicain présent, l'État haïtien présent sous une forme ou sous une autre, douane ou AVCT et l'autre structure qui dans question douane monde tout ça yo. Donc est-ce que c'est le même cas de figure en parlant de Wanamet pour l'autre point frontalier? Nous connaît à part de Wanamet d'Abon, qui c'est côté focus là hier là, gagne tout Malpass Jimani, gagne Belader Elias Pignas, gagne en sapitre Pedernal. Est-ce que c'est même mobilisation? Maintenant, on essaie de répondre une question sérieuse que nous t'ai posé avant. L'endab dit à qui est ce mérite là? Mais ça qui passe hier là. Est-ce que c'est l'État? Bon, mettons ti Astérix là. Avant hier, nous avons eu un échange très fructueux avec notre collaborateur, notre grand frère Denis Saint-On, qui lui-même a fait des analyses qui peut-être pas de paraître populaire, si vous voulez, dans les yeux qui t'ont entendu, mais qui était très sensé, qui était bien sensio. Grégory Lubin, qui peut-être pas fait l'unanimité, voilà le mot, mais qui était sensio. Si bien que, go côté Denis Saint-On est arrivé, l'étape évoquée, question décision Abinadel retourner sous l'IA qui s'est relouvri frontière avec Haïti. Dans l'analyse d'IA, l'été souligné que l'État haïtien, dans le cadre de diplomatie, de l'intelligence que Denis a évoqué, hein, capable d'utiliser décision Abinadel prend pour relouvrir frontière comme un outil de négociation, comme un outil de dialogue. Elle dit pas un problème. Comme ou dit m'campé canal là pour parler avec et moi-même moi quoi Dieu comme faire ce dialogue seulement qui va permettre un dénouement et permettre que relation entre deux pays vienne même j'ai été avant et moi me décider ou bien pays me décider pas camper canal là. Donc ou même comme on dit on après l'ouvrir frontière, on est capable poser ça comme condition. Tu me dis pas de problème pour me parler avant, mais problème pour l'ouvrir frontière puis on te fermer de manière unilatérale. Bon, moi me décider fermer le fois ça, donc pour me l'ouvrir, pour me l'ouvrir faut qu'on j'ai parlé tout. On te concédé d'énerver ça, on te concédé. Je dis oui, c'est dans l'ordre des choses possibles et c'est ton approche qui était fondée. J'aime dire tout à l'heure qu'il y a tout ça. Mais qu'on y a là, moi j'étais très sceptique encore. Pour qui ça? Moi venons quand fou côté ma mandem, est-ce que modèle l'État ça n'y est là guerrier du seul Grégory Lubin, il y a une dimension ça. C'est pas parce que on va gagner des think tanks au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir, qui t'as capable de réfléchir sur des questions comme ça non? M'a dit ça. Au contraire, nous reconnaître la plupart du temps qu'on paquette les cerveaux qui investissent espace pouvoir. Il y en a qui fait de grandes études, les qui sont docteurs, les qui ont master, les qui ont expérience, qui n'ont espace pouvoir, qui n'ont couloir pouvoir, qui travaillent avec un ensemble d'autorités ici. Nous permettons capacité intellectuelle, académique, ensemble de monde en deux. Même là, nèg la te met ta briller de yo,
automatiquement le rivant dans l'État, automatiquement l'investi espace décisionnel, yo, ou gen l'impression que le vin sort, parce que c'est pas un PC. Il vient en l'autre monde. Il vient en l'autre monde. Et même nèg ça, ou te ka di, wow, ouais, monsieur, son grand homme. Mais là, il vient dans le pouvoir, dans l'idée pour le conserver, pouvoir tellement belle, il pas perdre, nèg ça vient dans l'autre bot. Des fois, on dit, quête, mais c'est pas professionnel, ça me déconnecte de l'autre côté de la barrière. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Maron sou comprenne. Pouvoir changer nèg yo ici. Donc, sauf à ce que nous, moi, je pas mettre en doute. Et capacité, nèg yo dans le pouvoir, à tous les niveaux, hein. Que ce soit au niveau des directions générales, des ministères, que ce soit au niveau de la primature et autres. Donc, je connais des nègres qui connaissent, qui à l'école, qui sont très formés. Mais je sens que les nègres viennent dans l'État, ça fait l'autre. Ça leur bail à régler. Donc, je dis, est-ce que l'État, ça n'y est là, gagne dimension ça, pour jouer quatre diplomatiques ça, à l'intelligence, Jean Denner Saint-O, les mêmes unités, peut-être à peut essayer de faire comprendre ça à travers des paramètres qui ont tout sociaux, je ne dis dans l'heure. Et d'autres moyens pour le renforcer, c'est les mabgade comportement ensemble autorités locales. D'autres moyens pour le renforcer, c'est les mabtende déclarations ensemble d'autorités locales. Parce qu'on va être comme ça. Ou d'accord, comportement autorités locales doit planifier depuis dans l'État central. C'est des instructions formelles que l'État central a bien pour le passer à autorité locale pour dire ok voilà même si c'est pas des bagages qui officiel mais de manière officieuse pour dire mais qui ça doit gagner comme comportement même après des nèg au niveau du nord-est où est-ce des nèg à improviser moi j'ai un exemple qui simple mon chef qui parle à richesse modèle là qui est correspondant permanent nous dans nord-est pays ou t'as des monsieur dit bon c'est nous mêmes qui prenons décision ça mais nous on carré doléance au bail comme ça nous voyez bail l'État central il pas de comme ça. Si c'est l'État effectivement qui t'a pas agi, si c'est l'État qui t'a pas répoqué de ça avec toute fourmi, ou bien si c'est l'État qui mérite ça qui passe à là, pour jouer mercredi 11 là, il n'y a pas de doué comme ça, il n'y a pas de doué comme ça, il n'y a pas de doué, il n'y a pas jamais doué comme ça. Tout le monde n'y a pas de doué jamais comme ça, pardon. Tu dois gagner des instructions formelles qui passent à l'autorité locale. Notamment sur les communes frontalières. Pour dire, ok, mais 1, 2, 3, 4, qui ça continue? M'attends des magistrats à la mettre là hier. Nous sentons qu'ils n'ont pas forcément maîtrisé. Bah, yo, ou pas, ils sont hommes d'État qui ont parlé. Désolé de le dire, moi, je ne sais pas qu'on n'a ni en pète ni en pète, c'est sur réseau. Mais je ne sais pas senti que son homme d'État qui a parlé. Là où tu parlais de rencontre qui sont gagnées et bien entendu hier avec douane et puis immigration militaire l'autre bois. Là elle sorti de l'autre côté, la rentrée journaliste a posé la question, m'a pas senti bon homme d'état qui a parlé. Donc il me dit ah ou quoi l'état vraiment il y a empreinte li dans ça qui passé hier là. Ah, bah on est ouais. Et je me suis dit tout à l'heure, si l'État a gagné après lui, il faut au moins disposition ça prend dans tout point frontalier officiel. Ça veut dire qu'il a même disposition qui prend pour frontière pas relouvrir, voilà, maintenant, même si la Dominique ne relouvre pas là, il faut prendre tout au niveau de Malpass Jimani, Belader Elias Pin, en sapide Pédernal. Sinon, je ne sais pas si c'est. Salami la fête, mon Dieu. Vous comprenez? Moi, magistrat, traverser l'autre bois, là, le pas là avec, bon, bien entendu, c'est instance qui sous frontière, là, tant que douane et autres, mais je suppose, et je ne suis pas de mandat pour ça, je suppose que son décision, il prend lui-même, et je suppose son décision qui ne doit pas sans conséquence, mais sauf que j'aime dire, non, là, je suis sorti de l'autre côté. De l'île, il est rentré, il a répondu à une question journaliste. Premièrement, je n'ai pas senti qu'il rassure la population ou bien le monde qui va gagner pour faire route là. Mais deuxièmement, je n'ai pas senti son homme d'État qui a parlé. En tout cas, ça, son opinion n'est pas forcément vrai. Reginald Robertson qui a une autre lecture. Guerrier du seul qui a une autre lecture. Donc, moi, qui ça me souhaitait?
quel que soit ça qu'a prend comme décision pour défendre les intérêts d'Haïti, faut gien cohérence là-dedans. M'pa vle pour moun wana met ap fon bagay, moun belader ap fon lot, et puis pour moun ansapit tal décider fon lot bagay, moun mal passé la trier. Faut gien cohérence. Tout ça prend comme disposition de notre côté, faut moun ka sentil sur les différents points frontaliers officiels. Parce que c'est ça la Dominicaine fait. L'elle annonce que présence militaire, lui annonce que gen des moun pou accéder à parti pa yo, notamment commerçant yo, faut yo gagne donné biométrique yo, avait dit faut prendre empreinte digitale yo pou venir pou équipe bagay, mais le fait sous tout point frontalier. M'pa rendre vous comprendre. Et ben nous autres tout m'pa vle pour nous quitter ces populations wanamintes là, ba on dit bien dit qui en face la République Dominicaine. Mais que le te wanament, que le te malpas, que le te belader, que le te sapitre, faut yo wè que gagne même synergie, même cohérence, même solidarité, même fougue, même bataille là. Ap mené, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite. Vous comprenez? Original, c'est ça le doyé. D'accord, mon conseiller, c'est original. Ou après, une image qui font tolé. Pendant journée hier là, on image côté ouais des haïtiens qui en ligne qui pral bay blanc dominicain donné biométrique, yo di moun sa c'est des commerçants quand même qui malgré moun yo campé j'ai au campé wana maintenant décidé eux même faire de l'autre bagaille, yo considérer moun sa comme des traîtres, comme des sous-sous. Moi même j'étais très intéressé qu'on ait qui ça bay laier puisque yo di m ça passé au niveau de frontière haïtiano-dominicaine et Belader Elias Pin. Faut coup de pied hier sous frontière là. Moi parler avec des confrères, moi parler avec des propriétaires de médias qui ont même très présents dans la rue à tout. On a parlé de Zamino fait de la Croix Junior, on citer ça seulement. On parler avec confrères nos yeux juste qui c'est des journalistes chevronnés l'autre bois pour me dire monsieur ça qui passé. Ça me tendait comme ça. Et qui ça me joigne comme information? Même si au niveau de Belader, y a pas même configuration avec quoi la mettre sous frontière là, dans le sens que tu es capable de fermer une barrière si Dominicani n'a ouvert pas là, bon bien que lui existe, oui, mais barrière haïtienne, moi qui tombe pas vraiment gagné en disposition de sécurité vrai dans partie pas nous. Bien que pas eu à gagner lui parce que pas eu à gagner belle grille, vous comprenez, et puis il y a une grosse barrière. Mais l'autre avis, c'est pas nous, on est sans savon. Bref, ça, sur l'autre débat, on a retourné sous lui. Moi, apprendre que Moun Belader, depuis là, il a été annoncé frontière après le relouvrir au niveau de la République Dominicaine. Société civile, dans Belader, il a été pris des dispositions. Il a mis ça au relais sous pied en brigade de surveillance. Qui ça a fait? Il a barricadé la route là, depuis qu'on va entrer dans la ville pour empêcher qui ça? Pour empêcher machine à commerçant prendre direction frontière là. Avait dit même tant yo rivé sur frontière. Tout dans la nuit mardi pour l'ouvrir mercredi matin hein? Donc un paquet zone rentrée commune de la Der qui sont communes frontalières qui était bloqué dans l'idée pour t'empêcher toute marchandise ou bien tout monde souvelé utiliser camion pour aller acheter ou pour aller faire échange avec dominicain. C'est ça, il y a rapporté. Et m'a expliqué ça. C'est parce que même quand figure à tout depuis 7 heures t'ai annoncé frontière va l'ouvrir l'autre bord. La presse dominicaine t'ai gain mobilisé parce que ce qu'il faut retenir c'est que Abinader ou bien dominicain d'une façon générale, il y a mené bataille à deux niveaux, il y a mené une bataille diplomatique, il y a mené une bataille communicationnelle tout. Donc, gouvernement, chaque tout journaliste, tout médial, j'en ai dit tout au début, pour venir regarder qui sa comportement haïtien ou pralier. Ma ronde, vous comprenez? Il est regardé 7h, 8h, 9h du matin. D'habitude, depuis 8h, il faut qu'il y ait tout en mouvement. Tout le monde en mouvement. Il regarde 8h, c'est cabrit qui a monté descendre dans la partie haïtienne. Comment c'est une inquiétude? Il dit, bon, 10, 11h du matin, c'est là ça. Il ouvre grand barrière et il dit que il y a des camions effectivement qui étaient bloqués qui ont profité sauti.
mais vous rapportez pas de gens question machin qu'à l'acheter en République dominicaine, particulièrement Elias Pinas. Cependant, dans l'image qui est venue jeune moyen, côté moi, environ 15 de monde qui en ligne, qui pral bay donné biométrique, puisque nous ensemble d'installations technologiques, depuis avant frontière, yo te relouvri, la République dominicaine est installée sous préfrontalier, qui permet que tout commerçant qui va acheter l'autre bois, ou obligé de passer dans la cabine, il prend donné biométrique, avec dit qui est souillé, patati patata, il a trié. Bon, ça, c'est une question de sécurité intérieure, bagain attitude tout ça, m'a pas les souillé. Mais ça, c'est certain, il est fait. Donc, moi, ouais, on quinzaine de monde dans l'image, il dit que ça va aller. Il dit comme ça que les Dominicains ont rendu compte que ça a été espéré comme comportement, beaucoup de haïtiens, c'est pas lui, Et bien, il dit, effectivement, il y a des gens qui, Elias Pinas, c'est des haïtiens, qui habitent là, et il dit comme ça que c'est moun sa yo. Attendez bien, Regina Robertson. C'est moun sa yo. Yo prend, yo dit que yo capable de circuler moyennant que yo prend données biométriques. Yo dit yo cal fait, ça ou gen pour faire, yo cal acheter, mais qui pas de grand commerçant vrai. Et moun yo effectivement prend ligne. Mais ça qu'on nèg yo fait intelligemment, ça que me dit bataille communication de l'au niveau de la République dominicaine. Faut pas en ça et moi demande confrères journalistes haïtiens yo pour très prudent. Dans ça y a rapporté qui dit dans la presse dominicaine parce que des ba yo fait à dessin guerrier du seul. Moi le zomba yo fait. Puisque me dit malgré frontière fermée, yo pas j'aime suspendre déporter haïtiens. Pas plus tard que hier dans point frontalier ça, yo déporté plus de 300 haïtiens et pour être plus précis, 384 compatriotes. Et bien qu'on parti dans haïtien ça yo dit yo comme ça que il y a permettre je il a permettre que je joue un petit 4 qui va permettre au moins même les parler soit dans grande ville en République dominicaine soit Santiago ou bien Santo Domingo pour yorité Elias Pinas et il y a haïtien ça qui d'accord et yo prend ligne effectivement yo prend donné yo et pendant yo l'ligne là zami auditeur m'a bon menti média qui t'a fait photo dit mais haïtien a prend ligne effectivement pour rentrer sous frontière. Et image ça soulever ou bien provoquer un paquet de polémique hier sous toile là. Et son choix au fait. Son choix au fait. Son choix. Ah, est-ce pas songer? Non, me songer. Alors ça m'a songer à ces époque 2004. Aristide. 2004, mon élection qu'a faite là pour AJH. OK, dans l'auditorium Caraïbes là. Mon cher, l'élection a fait c'était deux camps. Ouais, à l'époque, opposition et puis mon cher, l'élection finie. On y a les m'a tant des reportages sur en télévision, pas besoin dire qui télévision. Mon cher, monsieur prend ouais couloir. C'est-à-dire, yo te font gens, tout le monde qui fin voter yo, yo fait passer dans couloir. Mon cher journaliste a même dit tout le monde qui a sorti là, c'est le monde qui pas veut l'élection, qui est local là qui allait. Ouais, songez bah ça. Songez. Mais c'est ça yo fait nous là. Ça fait là. Je dis tout le monde qui a sorti là, c'est le monde qui pas veut l'élection. Pendant que c'est tout le monde qui fin voter, c'est tout journaliste qui fin voter qui a sorti dans couloir. Yeah. Bataille mette pied là. On fait logique guerrier de seul. Dans l'inam par contre sur gars image là en bas, j'ai à peine si gars ont fille ou bien deux filles juste devant. Majorité garçon et gars cadence de j'ai campé. Généralement grand commerçant haïtien qui achète en République dominicaine $100 US acheté. On comprend à part de l'autre échange qui fait au niveau de la partie haïtienne, les dominicains viennent jambé viennent faire pas le côté c'est peso et la trier, mais majorité grand transaction qui fait en République dominicaine dans cas d'échange commercial yo fait en dollar US. Yo pas fait ni en good, yo pas fait ni en peso. Quand y a là pour on marche na blague école comme ça là, on vend go dollar avec les y a dominicain volé. Y a dominicain volé. Cependant, pour l'histoire et pour la vérité, dans quelques points frontaliers, notamment dans le point frontalier Belader et Elias Pinas, il y a des chauffeurs moto effectivement qui passaient, qui ont monté descendre. Je ne sais pas peut-être qu'on y est, et avant, mais qui n'ont pas gagné pour véritablement avec des commerçants
qu'à acheter des camions de marchandises rentrer avec Haïti. Si on nous dit que bagage a été fait hier, dit le menti. Mais c'est ça que me demandé. Maintenant pour combien de temps n'a pas kembé comme ça. Fait hier effectivement son cal pour l'histoire et ça a été gravé dans mémoire dominicain ou jamais. Mais rivé kembé ça sont l'autre débat. Donc j'ai moi-même m'te dit tout à l'heure m'a conclu avec ça encore. La République dominicaine, les Dominicains, les autorités dominicaines, Luis Abinader en particulier, moun sa ou tellement raï haïtien, yo tellement gon haine contre haïtien, m'a bon menti, à chaque fois haïtien fò kou sou yo, orgueil yo fait qu'il a réfléchi pou konnen comment ka fò ou pi gros kou même. Pa bien ta lwa m'sou di on bagay ki fondamental, moi di konsa ke la République pou li même sans guerre liée contre nous même le officiellement l'État ici reconnaît qu'il n'y a pas de conflit, pas de guerre à personne. Mais pour la République dominicaine, il y a en guerre. Peut-être, nous ne pouvons pas parler de guerre avec les bras militaires, côté coup de zam a tiré, coup de canon a tiré. Jean Denel a dit récemment, il y a pas une guerre économique, une guerre diplomatique. Mais dans la guerre là, ça ne doit comprendre son ensemble de batailles qui gagnent. Donc pour l'instant, avec ce qui passé hier là, avec la construction du canal qui a avancé, nous sommes capables de dire Haïti gagne deux batailles. Mais Haïti pour gagner une guerre là. Donc, pas rien dit nous, depuis hier là, pas rien de gros réflexions qu'a fait au niveau du gouvernement dominicain, au niveau de la République dominicaine, pour connaître comment eux-mêmes sont capables de rebondir, pour faire beaucoup plus de tort. Et moi, dis nous ça. Monsieur Sayo, au niveau de la République dominicaine, ils sont capables de tout et ils sont prêts à tout. Et ça, quand même, des populations, que ce soit au niveau de Wanamet, que ce soit au niveau de l'autre commune frontalière, il faut que très vigilant, il faut que très prudent à ça que prend comme décision, mais à comportement, il doit gagner tout. Par contre, je comprends. Et moi, je dis, monsieur Dominicain, il est prêt pour aller jusqu'à utiliser même monde qui n'a pas nous pour craser la bataille là. Il est prêt pour travailler avec monde qui n'a pas secteur politique là. Il est prêt pour travailler avec monde qui n'a pas pouvoir. Il est prêt pour travailler avec monde qui n'a pas élite économique là. Rien que pour craser ça qu'a fait là, pour montrer que c'est la République dominicaine qui met Zilia, c'est l'île force là, c'est l'île tout puissant. Donc encore une fois, moi mandé population haïtienne, moi mandé peuple haïtien priorité vigilant.